Soit tu as dérivé la fonction mathématique f de x égale x racine x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction est dérivable sur cet intervalle. Nous allons ici poser u est égal à x, la fonction u est égale à x, et la fonction v est égale à racine carrée de x. Nous allons calculer u', la dérivée de u, dérivée de x, ça fait 1. Et v', la dérivée de racine x, l'inverse de 2 racine x. Donc ici, je reconnais une structure u fois v, donc la dérivée f' de x est égale à u'v plus uv'. J'écris donc f' de x est égal u'v 1 fois racine x plus uv' x multiplié par 1 sur 2 racine x. Je simplifie l'écriture. Racine x plus x sur 2 racine x. Je peux donc ici mettre au même dénominateur, je vais multiplier au dénominateur par 2 racine x et au numérateur par 2 racine x afin d'obtenir une écriture pour ma dérivée f' de x, racine x fois racine x, ici x étant positif, j'obtiens 2x, 2x plus x, j'obtiens 3x. Donc 3x sur 2 racine x. Voilà l'écriture mathématique de ma dérivée.